celui qui ne se comporte pas bien avec ses parents, celui qui est ingrat envers ses parents, celui qui hausse le ton envers ses parents, celui qui insulte ses parents, celui qui tourne son dos à ses parents, celui qui n'obéit pas à ses parents, celui qui hausse la voix sur ses parents, l'ingrat, le prophète il parle de lui. Allah n'acceptera de lui ni acte obligatoire ni surérogatoire. Wa bil walidaini ihsana. Allah il a utilisé le terme ihsan, l'excellence avec tes parents. Dans le Coran il dit avec ton père et ta mère, tu dois atteindre l'excellence. Mais pourquoi Allah a lié le droit de Dieu le plus important avec le droit des parents? Pour te rappeler que, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam fi sahih, la satisfaction de Dieu est dans la satisfaction des parents. Et la colère de Dieu est dans la colère des parents.